je ne sais pas, moi, ce que tu vas faire. Tu peux faxer le code Marie-Sophie à l'Université de Tokyo. Oh, chut, non. Oh, non, 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 chut, non. Essaie pas de me faire sentir cheap parce que je m'en vais. Parce que, la fille est même pas morte. Steph va rappeler pour me donner le numéro de sa chambre, fait que... Pourrais-tu attendre son téléphone parce que moi... Moi, je peux pas supporter comme appel d'un hôpital. Ben, Choubi, t'as juste à laisser sonner. Hein? Quand Steph va rappeler, là, tu réponds pas. Je peux pas supporter de pas répondre au téléphone. Mais je la connais pas, mon Marie-Sophie, je te connais même pas toi, puis j'ai 50 portefeuilles à vendre, tu comprends? Quelque chose à TV. Aujourd'hui, cependant, il faut encore se trouver une activité près d'un plan d'eau ou s'habiller très légèrement parce qu'avec un maximum de près de 28 degrés et le facteur humidex nous donne l'impression qu'il fait encore comme hier entre 30 et 35, ce ne sera pas léger. Pour le sud du Québec, donc. Variable aujourd'hui avec quelques verres dispersées, possibilité de rage au coucher du soleil. Pas très venté, chaud et humide. Choubi. J'essaie d'entrer en relation avec toi, là, tu comprends? Fait que relationne un peu, OK? C'est qu'il y a une idée que je peux pas supporter. C'est quoi encore que tu peux pas supporter, Choubi? C'est que... Ben, Marie-Sophie est pas morte, mais... Si elle était morte... Ben, ça ne ferait pas tant de peine que ça. Même que ça me laisserait complètement sur le neutre. Tu comprends bien, là? Ce qui te fait de la peine, c'est que t'aurais pas eu de peine s'il était arrivé à Marie-Sophie ce qui n'est pas arrivé. Hey, c'est quand même fréquent, je veux dire. Marie-Sophie a beau être la plus grande vache de la planète. Il me semble que je devrais avoir au moins un minimum de peine à son décès. Parce qu'une fois morte, elle sera déjà pas mal moins bitch. Je comprends pas. J'ai peut-être un défaut des chromosomes. Comme les tueurs en série. Choubi! T'es tellement née après 1970 que moi, je suis faite, là, knock-out. J'ai pas touché à de la barbe aussi inexistante depuis l'école secondaire. Puis ton histoire de chromosome, c'est ce que j'ai entendu de plus naïf de père maternel. Fait que je sais plus quoi te dire, moi. Tu me dis que tu me crouses, hein? Comme si on aurait au moins avancé sur une chose. Moi, je te crouse? Ça, c'est hystérique. Puis pourquoi je te crouserais, Choubi, hein? Pourquoi? Parce que t'es ici au lieu de vendre tes portefeuilles, tu sais. Primo, c'est tout ce que ça te prend pour penser quelqu'un le kick sur toi, Choubi. On est une christie de bonne gang à te creuser en ce moment parce que moi, je dirais que c'est la planète, il y a un zillion de personnes qui vend pas de portefeuille en ce moment. Puis secondo, donne-moi un break avec mes portefeuilles, OK? Pas rien que ça dans la vie. Il y a plein d'idées sur plein d'affaires. C'est pas si facile d'avoir une idée de nos jours, je veux dire une idée jamais pensée avant. Juste à trouver celle qui paye. Oh, comment ça? Je m'en fous si t'es pauvre. Pauvre? J'ai juste pas d'argent, c'est ça que t'appelles pauvre? Mais maintenant, je coupe oignons et légumes en des tours de mètre. Quelques tours pour les légumes de la soupe et du ragoût. Quelques tours de plus pour émincer et finir. Non, mais quand j'ai dit qu'on se rappelait pas, je voulais pas dire qu'on se rappelait pas jamais. Écoute, Willy, laisse faire les jokes subtils, là, puis écoute-moi, là. Je
Puis la singe, je sais pas quoi, il y a du monde qui lave le sac en plastique. C'est plein de chaises en résine partout. Pas de la résine qu'on fume, de la résine de... Synthèse. Résine de synthèse. La résine de quelque chose. Puis il y a un gars de 12 ans ici qui s'imagine que je fais des passes et qu'il me traite de pauvre Willy. J'ai pas dit pauvre Willy, j'ai dit qu'il me traite de pauvre virgule Willy. Willy, viens me chercher. Mais je sais pas, on m'a fait du pouce. Parce que moi, j'en fais pas toute seule. Mais si toi t'en faisais jusqu'ici, on pourrait peut-être en faire ensemble pour retourner à Montréal. Ben moi, je trouve que ça fait plein de sens. Puis pourquoi je pleurais au lit, hein? Je pleure pas, OK? Puis toi, si tu dis un mot, je me mets vraiment à pleurer. Je voudrais juste te dire que... t'es la chose... Là, je dis pas que t'es une chose, là. Mais que t'es la chose la plus extraordinaire qui m'est jamais arrivée. Toi, on peut dire que t'as eu une vie plate, hein? C'est pas ça pour être méchante, là. Mais si je suis le highlight de ta vie, Jésus, je voudrais pas être là quand tu fais rien de spécial. Figure-toi que je voudrais pas être là, moi non plus.